Au nom du Père, qui Papa, qui se le Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kengani. Mes chers amis, vous que nous suivez à travers cet outil de communication qu'on appelle le multimédia, le média Tata Kimbangu, je vous ai toujours dit que le mot média, nous avons l'avons décortiqué dans le cadre de nos recherches. Nous voulons sortir dans le mot média comme étant M, comme étant les messagers, E pour une évangélisation, D divinement, I inspiré des actions de la Simo Kimbangu. Nous sommes dans la suite logique des événements d'hier où Moudia Longo nous a rendu victorieuse parce que Moudia Longo, aujourd'hui nous l'appelons le Finama Dengena Marie Francine. Elle est en Kamba, maman là où tu es, bien de bonnes choses. J'espère que tu intercèdes pour nous, auprès de sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kengani, pour nous, tes enfants, que tu as laissés ici, à Paris, et plus précisément d'une manière particulièrement, mais généralement en Europe, car tu es la pilote de l'Europe. Mes amis, je viens en face de vous. Vous savez que hier, à l'occasion des festivités marquant le 60e anniversaire du voyage, du mariage spirituel qu'il y avait eu en Kamba, le papa Simo Kimbangu, c'était les trois jours après. Maman Moui nous a quittés en 59. En 1959, c'était donc le 27, c'était hier, l'anniversaire 60 ans. Mais nous savons que cette dernière a laissé son œuvre, parce que dans le kimbanguisme, elle était en quelque sorte la deuxième chef spirituelle. Si son mari, Papa Kimbangu, était le premier chef spirituel, c'est-à-dire, quand je parle en français, c'est pas bien approprié, mais c'est plutôt du Congo, ça s'explique bien. Mfumu Alongo, Mfumu Alongo, Yandi Ngudi Alongo. C'est-à-dire, elle a fait ce rôle d'encadrement. Parce que son mari, Papa Simo Kimbangu, œuvra seulement pendant 5 mois. Et elle a gardé l'héritage durant 38 ans précisément. Vous savez, 21, 59, c'est elle qui a tenu l'œuvre de son mari, Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Et en attendant que son mari travaille, on l'a vu à l'âge de 12 ans dans le temple, mais après il a disparu. On l'a vu 30 ans plus tard où il commence son action ministérielle. Mais les 30 ans durant, on ne l'a pas vu. Donc il était libre. Mais son père, Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit, il vient faire le contraire. Parce que ce corps physique qu'ils ont créé à la création, le corps humain, était pris en otage. Okay. Excusez-moi, il y a un petit problème de réseau. Je disais tantôt que... Et donc, cette gardienne de l'œuvre a tenu ferme malgré les persécutions, comme aussi bien le cantique qui est en fond sonore. Cette œuvre grandiose pour laquelle elle s'est donnée corps et âme, mais c'est devenu votre source de revenus en quelque sorte. Et là il dit à son mari qu'il puisse faire le tri sélectif, que ceux les bons qui resteront dans son œuvre, ceux les hypocrites, des kimbanguistes, parce que nous voulons faire révéler, vous indiquer que dans le kimbanguisme, c'est comme le kimbanguisme qui est la suite du christianisme, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simo Kimbangu. C'est l'église de Jésus-Christ qui est passée par le même de Tata Kimbangu, lui qui l'a mis en place sur terre. Et donc, de cette insertion spirituelle est née une nouvelle manière de vécu des humains sur terre, qu'on appelle les Kimbanguistes, la nouvelle peuple. C'est-à-dire que ce peuple a le soubassement, le territoire divin, naturel que Dieu a créé, le Congo. Actuellement, quand il était divisé à l'époque, des pratiques inappropriées par l'Angola, la RDC et la RC.
Mais nous, Tata Kimbangu nous a donné la charge de pouvoir le mettre ensemble, de faire sa volonté et non la volonté des diviseurs, les Fouyambi, les Fumbi, les Ndundu, ce que vous appelez vous les Alba, les Albinos, vous appelez les Blancs, comme vous le dites. Enfin, bref, je disais, Tata Kimbangu, donc, par l'entremise de son épouse, l'aimée, c'est-à-dire Marie. Marie, en hébreu, veut dire aimée. Et c'est elle, donc, hier, nous avons célébré, et vous savez qu'en Kamba, les festivités durent durant 3 jours. Nous sommes hier le 27, aujourd'hui le 28, demain jusqu'au 29. Et vous? Et donc, nous poursuivons ces festivités en Kamba. Alors, j'aimerais bien vous signifier ceci. Suivons cela. Ça, c'est divinité du parc. Tout c'est l'esprit Tata Kimbangu. Kamba Oye. Kamba Oye. Kinshasa Oye. Kinshasa Oye. Kinshasa Oye. Oye, 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 liwa, eleni. Léoule, Mbazé, Nouvia Kouloué, Yangalala, Essengobi, Essengote, Kiesengoka, Kiesekoué, Saïvokansa, Ikoué, Jetekoué, 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 Dirija Oye, Dirija Oye, Dirija Oye, 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 Oya longaka nenge papa kunutu alobaka na papa kumalongo asaki makas alongaka biso to longa be to longa te biso longa réponse na ngai ngano kolobati kasi na lo message ou zo kuzona banzembe réponse na ngai. Je veux quitter le monde. Satan a lui. On a donné un mal. Bon, on va voir mon équipe positionnée. Le monde entier écoutait l'appel de moi, Maman Marie Mouilou, la mère de toutes les nations. Maman Marie Mouilou, j'ai vaincu l'humanité entière au nom de Passimo Kimbangu. Le monde entier écoutait l'appel de moi, Marie, la mère de toutes les nations, Notre-Dame. Ça fait cela bientôt 50 ans. Finalement, moi, Marie Mouilou, j'ai vaincu l'humanité entière, donc le démon, au nom du Kimbangu. Dieu, son amour est majestueux de génération en génération. C'est pour cela, moi, Maman Mouilou, j'ai trouvé de ma place. J'étais honoré à travers le monde entier. Dieu, son amour est incommensurable de génération en génération. Et aujourd'hui, moi, la femme, j'ai trouvé la place ici dans ce monde entier, dans le monde. Dieu avait pensé que m'avait trompé. Il avait défié que le ciel appartient à Dieu, que la terre l'était à lui. Mais moi, Mouilou, je suis venu corriger l'erreur. J'avais accepté que Papa Simon Kimbangu puisse accepter l'œuvre de Christ afin qu'on ait la victoire. Et aujourd'hui, nous sommes victorieux.
Satan avait trompé la femme et le mal était rentré sur terre. Il s'est dit que les cieux appartiennent au Père et la terre à lui, Satan. Mais moi, Mouilou, j'ai accepté le 6 avril de sonner la cloche. Après, c'est moi qui me bang, moi, tu donnerais le coup de main, je serai ton soutien. Et aujourd'hui, je suis victorieuse. On a la victoire. Satan s'est dit, après le départ des trois glorieux, papa qui soloquait les papas de l'Ora, pas d'Engenda. Il croyait que non, il avait oublié que le Saint-Esprit, papa Simon qui manque, était revenu de nouveau sur terre. Eh bien, le symbolique, c'est la victoire, se trouve en Kamba. Voilà. Satan s'est dit, il va encore diriger l'humanité au départ des trois glorieux. Il avait oublié que le patron de toutes les générations, papa Simon qui manque, qui a gagné, est présent. Eh bien, le symbolique est là. C'est ce qui se passe en Kamba. Voilà. Mes chers enfants, c'est de l'allégresse car nous avons la victoire. Eh bien, Simon qui manque un gagné est avec nous. C'est là notre victoire. Mes chers enfants, c'est de la gloire. Parce que papa Simon qui manque un gagné est là. C'est votre père. C'est le père, il est là. C'est votre victoire. Faisons-lui plaisir. Donnons la gloire qui est nécessaire, qu'il faut, que nous avons pour lui, afin qu'il ait que nous la victoire. Rendons-le gloire. Rendons la gloire à lui, afin que nous ayons ce que nous avons. Écoutez ce que dit Satan. Moi, Satan, j'avais pensé, j'avais cru. Je dirigeais encore ce monde, après le départ des trois glorieux. Mais finalement, papa, c'est moi qui m'en m'est apparu. J'ai plus de force. Mais je m'arrange, je le provoque pour qu'il puisse se faire tomber ce mot de victoire qu'il a, pour que moi je puisse repasser. Moi, Satan, j'avais cru. Après le départ d'un voilà, je vais diriger le monde. Mais malheureusement pour moi, eh ben, je peux passer mon dimanche, tiens, de nouveau. J'ai plus de force. Mais je le provoque. Je change et je crée des situations pour qu'il puisse se faire tomber ce qu'il a de précieux. Oh, malheur à l'humanité. Mes chers enfants, soyez dans l'allégresse, car papa Simon qui manque un ami, c'est lui le victorieux, il est avec nous. Mes chers enfants, soyez dans l'allégresse, car il est là. Voilà comment le Christ Jésus laisse l'enfant, son père, papa Simon qui manque. Tu cherches papa Simon qui manque. Eh ben, tu as des problèmes, papa Simon qui manque. Eh oui, mes amis, tu provoques les mamans, tu as des problèmes, papa. Je ne veux pas Simon Kimbangu Kiangani. Eh oui, mes amis, je suis Kimbangu, l'esprit de vérité, j'ai la victoire. Tu cherches les papas, tu as un problème avec les mamans. Moi, Mwilu Kawanga, j'ai vaincu. Voilà. Tu cherches Tata Kimbangu, tu cherches les mamans. Eh bien, moi, Mwilu Kawanga, j'ai vaincu. C'est la victoire. C'est la victoire. Ah, ngai mwilu kia wanga na longi. Voilà. Ngudia longo. En Kamba où elle est là aujourd'hui. Maman, merci. Merci pour l'encadrement. Merci Ngudia longo pour l'encadrement. Voilà. Ngudia longo. Goudia Longo. Voilà mes amis. Suivons sa divinité. Dans sa suite, ce change qu'il a avec les enfants, ses enfants à Kinshasa, dans cet archive que nous avons retrouvé. Suivons. Ma coco va monner passe. Ma papa va monner passe. Tout est que la yédze là. Familles. Papa n'y a pas mis. Et là, il va tout négliger, tout boire. Et Satan, il dit que nous avons un récord. Ah, on a c'est nani. Bon, on passe au bac, on va mon ami. Et qu'elle est la main. Passe au papa, va mon ami. Et qu'elle est la main. Et moi, comme maman, il a mon ami passé. Il y a un kilo tout à combien de mains. Chaque fois que vous voyez la fête,
On a besoin de venir à Satan. On est qui, hein? Tout est le Mexique à Juan. Tout néglige était. J'ai mon abonné à Souka pour y aller à Mexique à Juan. Il y a un robin, il y a un robaté. Qu'est-ce que je veux dire? Un message. Je peux préparer à Yo ce qui message. Voilà. Suivant ce que relatent mes confrères de Mbanza Kimbangu, Jejeki, à propos de Ngudia Longo. Toutes les femmes de l'humanité, nous devons suivre le modèle de Mama Mouilo. Car il fut perturbé par les ennemis, mais elle a persévéré, elle n'a pas lâché prise et elle a rendu, elle a eu la victoire. Voilà mes amis. Toutes les femmes de l'humanité, nous devons suivre le modèle de développement qui est donc Mama Mouilou, modèle exemplaire pour vivre pour un comble comme se doit, parce que elle a eu la victoire. Le jour de la transfiguration, les anges des cieux sont descendus pour la rendre gloire, car elle a vaincu. Si nous suivons sa marche, sa façon de faire, eh bien, nous aurons aussi accès à la fessée divine. Si nous suivons son modèle, eh bien, nous aurons accès, nous aussi, à la fessée divine en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mama Mouilou, quand elle s'est transfigurée, les anges des cieux sont descendus pour le glorifier, pour la glorifier, car la mère sacrée, elle a vaincu l'humanité. Nous devons suivre son modèle en Kamba Mbanzavela. Et oui, mes amis, vous avez dû vous rappeler qu'on est un jour sacré, nous devons nous rendre à l'église pour glorifier Tata Kimbangu, parce que nous avait dit, je vous donne 6 jours, faites ce que vous voulez, mais le 7e, vous devez me le consacrer. Et c'est pour ça, c'est un devoir pour nous chrétiens, plus précisément les chrétiens kimbanguistes, d'aller rendre gloire à Tata Simon Kimbangu pour ce jour spécial. C'est Ngudia Longo, Meninonga.
si nous suivons ces principes, ces préceptes, eh ben, nous aurons également accès à la fête divine où il nous a précédé, mais elle est avec nous parce que elle est tellement sacrée. Elle ne peut pas le lâcher comme ça définitivement. Elle est avec nous, ici, en esprit, en vérité. Nous, dans le cadre de nos recherches, nous l'avons détectée. Elle s'appelle Lufinama. Donc, rapprochons-nous d'elle. Diengenda. Mouilou Francine. Voilà. Kumbanza Longo. Avotou Landan Tangizandi. Si toi, Kembaye. Moussi. Kumbanza Longo. Si nous suivons ses préceptes, eh ben, nous le rejoignons avec lui dans la fessée divine. Voilà, mes chers amis, ce moment de partage que je voulais faire avec vous en ce jour spécial où nous poursuivons les festivités de l'arrivée de Ngudia Longo ici-bas sur Terre. Mes amis, merci pour votre patience. Désolé parfois les chants que nous avons. Nous avons parfois, suivons quand même. Elle a fouillé. Lui, c'est venu à la fouille de démo. En 98. Ah.
Tu as un mot de qui est tu veux nous coller les est-ce qu'il y a une autre chose à la scène de nuit ou quoi? Non, pour nous, c'est qu'elle a fait un peu de quoi? Ça y est. Orléans. Non, tu n'as que du coup. C'est mieux que nous avons un de longue. Nous avons un goût de longue. Il y a des couleurs 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 de longue. Il y a alors, vendez de quoi? Ah, tiens. Qu'est-ce qu'on appelle Nalata? Va voir. Non, monsieur. Oui. Je peux voir. Sento. Ça, je vais essayer. Hein? Non. Ah, non. Non, mais avec l'argent, j'achète au marché. 600 euros, je vais acheter. Vous avez 600 euros? Comme ça, j'achète au marché. Tu qui dis pas que nous calons, nous quand nous faisons un goût de l'eau, c'est que vous nous voyez.
Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, papa, non, vous avez un peu de temps. Vous avez fait raison, Comment est-ce que tu as dit? Comment est-ce que tu as dit? Comment est-ce que tu as dit? Tant. Comment est-ce que tu as dit? Tu sais pas. Comment est-ce que tu as dit? Tu as dit que 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 tu as dit Je vais vous montrer comment on va faire. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
Donc avril, mai, juin, juillet, août. Non, avril quand il y en a, nous faisons le site, j'ai téléphoné. Donc il y a le 12 avril, le 27, sous les nids. Attends, Je suis allé.
Merci. Vous voyez, mes chers amis, donc la communication ne tarde pas. Quand l'instant spirituel arrive, on peut rien y faire, ça doit s'accomplir. Donc nous avons ici donc notre maman Kalamvuila. Maman Kalamvuila, qui est donc l'ancêtre, notre Nkaka, l'épouse du chauffeur de Tata Mfumalongo, Kuntima Diangenda. Et elle est le témoin de beaucoup d'événements sur le kimongisme, cette nouvelle civilisation. Et là, elle est en train de nous relater ce qui s'est passé en l'après-cérémonie du voyage de Kakakawanga. C'était parti à Boko parce que elle se disait que Karine, Karine, donc alors, Ingete, Kaka, tu veux te dire Kaka, vous le sens sur la ligne de Tuvang là, tu t'es lingué de vos donc, Munakuna Boko, Lucide, le téléphone tu m'as sa couba, quand les délégations sont venus vous tout cas, quand tu viens Lucide, allez, quoi que l'ayez, qui veut l'autre? Donc, vous voulez dire quand vous la mona? Mambo to mona. Bantu ba yimbi de kunga tuyanga la la tuyanga la la la. Tuyanga la la nganza mi watu fidi shampulu si. O mawe te maonto to mona. Tuyanga la la nganza mi watu fidi shampulu. Alba yimbi de mona kuna tonde ya umida mkunga wono. Bantu. Tata sumukura. Tuya vumuka na tolo. Italanga. Allez, tu parles de loi Yambula, Kamazuko, maman Bote Betamon. Allez. Basi, c'est le bout, si vous tu quittez, vous pouvez yimbi là, vous n'avez pas de 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 yimbi là, vous Il y a le chichi des autres, 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 il y a le chichi
Uniforme. Donc, on sait que vous avez un uniforme. Je suis un uniforme. Donc, aujourd'hui, uniforme, pas qu'il uniforme, pas qu'il y ait une fille d'honneur et un mariage, mon longue longue, pas qu'il y ait vert blanc. Ça, c'est la faute. Donc, tata kalamvuila, njono wakala mbangi muna lukulu, kadi wa fomu na lumbuki na mpeta taki mangu wa mfulabu, donk papa dengene wa mfulabu wa fua. Wala tata muna salukina, e muna longo lwani lwa vele la, kadi muna dati na uniforme monika, bende pilipaki wa fidu na muna longo lweno, wafuji laka vele blo. Jibuna be? Ah, merci kaka kalamvuila, mbangi mblanda lunina, vous nous suivez donc à travers le monde entier ici. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de la journée du 27 avril. Vous savez que hier, nous étions donc le 27 avril, date où Maman Mouilou avait décidé de rejoindre son mari afin d'être notre intercesseuse. Parce que lui, elle dira ce jour-là, laissez-moi partir parce qu'il y a plein de choses qui vous manquent. Et je dois m'approcher auprès de votre père afin de pouvoir débloquer certaines situations. Entre autres, vous avez suivi, juste après sa transfiguration en avril, mai, juin, c'était l'indépendance politique de ce territoire qui était occupé par la coalition internationale qu'on appelle la Belgique. Voyez-vous, moi je parle en tant que politique, mais ici nous avons une maman qui est témoin des événements de la structuration de cette institution spirituelle qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre pour son espèce de maman. Maman, où est le fait que tu as dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais quand tu as dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Effectivement, tu as dit qu'il y a un peu de temps, mais tu as dit qu'il y a un peu de temps. Au lobby, le 27 avril. Et c'est que Tamatouba Samuel.
Mais dans notre temps, vous avez fait un programme et un mariage. Ni les gars ici, Kawana, vous avez fait un linga à moi qui vous parlez de vous malade. Vous m'avez dit que vous avez fait un mariage. Vous parlez de vous colonie, date ni le 10 mai. Le 10 mai. Allez, après le 10 mai, le 15 mai, Tokatinga Mabraza, on a reculé de Napoko, on a inauguré la église à Moko, et ça va être le 17 mai. Ça, c'est vous, ouais. Tu viens à la photo, ça, c'est vous. Mais ça, c'est vous, ouais. C'est une est-ce que vous connaissez Kuna? Non, papa paye à l'intérieur qui va fuir de nous, on va fuir de nous. Puis, selon la tête, la main est verte là. Accompagner la défilé. Et tout le monde a côté au garçon, on a un peu de l'air. À côté, la jeune fille, on a un peu de l'air. On a des verres blancs, alors qu'on va se faire un verre blanc. Si vous voulez, après. Si vous voulez, on a un peu de l'air. C'est quand on a un peu de l'air, on a une photo qui est dans Le bonheur nous l'aurons. Soyons dans l'allégresse, Dieu nous a envoyé le Sauveur. C'est pas comparable à l'humanité, aux humains en fait. Et Dieu nous a envoyé un Sauveur. Salut, je suis revoir et boyer. Allez, sauce au pied, les lits, 5 heures.
En tout cas, Mama Kalamvuila, merci Mama Selo Kieto. Il y a un peu de papa Simon qui m'a dit que je vais jouer au Matangomba. Ma solo est boye. Soki, oya kana potote, mana oba pota miawa, moye baye mango, isat. Yango kaka kimba mukina busimba. Sika boye, mama, soki tuzane mwani solo ya kopeta, kona kula sipo, mama mwilo andima ki mosala, a komi nakisa mama na mokimo bimba. Ozane ndo kopa kolobate, sika wana mama nangai pona bana wazo pota maawa. Kupuya ezali ya mbuja longu mama mwilo. Bana wazo pota maawa, nakarishi, total mon canal qui sont seulement pour ma qui m'a cessé. Nathan, on va y aller dans une gabane en bâtard molaté. On a une maman qui m'a reçu un salaire à ma paix. Il y a ma côté. Quand je suis en Angola, moi, je suis en maman à l'école. Maman, ce que tu as dit, tu es en train de te faire. Je suis en train de te faire. Toti ka mokoko na biso te, biso no tote ya bana na biso mokoko na biso. Na muno ka mokoko na biso na kasi, awa tozo mona biso mfana bisi, tona tre. Ta mso mona mulu baso lusa mwana muno kone ya mwana ya mokoko ya kena ki. Kiaraf. Ba ndibo mona so lusa mwana mwana kiaraf. Ba tuyonso, kasi biso nde ilogo mwana tosa na mape ya mwana na bana biso. Soto komi ya tuto mwana soko ya bi franse. Mwana tangi mingi. Kasi. Na elomi ya tata mwilingo santu. Foto la kisabana. Kutimi ya biso mwongo. Soto la kisabutimi ya biso. Soto la kisabana mino kwa mboka. Pasi kwa oma na Bible. Tango ya sembo liko sala. Motoro motalo mwono kwa mboka na ye. Soko yebi ya mwote. Na katina kisase salamaka. Soko baza uka nga ba. Ba nane. Maman vient de donner un exemple ici, vous qui avez mis des enfants, parce que vous êtes des enfants de la promesse que les jeunes mamans vont pouvoir dire des propos sur Papa Simon Kimbangu, ils vont pouvoir monter dans les avions et c'est l'accomplissement. Maman Kodia, mamie, Olobini Sikawa. Je suis un tata qui a été mon centre. Je suis maman qui a été tout à l'heure. C'est vrai que tu as eu un avion, tu as eu un avion. Mais je papa un peu plus de temps. Quand tu as eu un ticket, tu as eu un avion. Tu as eu un avion. Mais tu as eu un avion. Tu as eu un avion. Tu as eu un avion. Tu as eu un ambassadrice. Tu as eu un pantalon. Tu as eu un avion. Il y a solo to koli awa to boti bana awa mais bongi esengeli to lakisabana na biso nzela oyo e pa ito wuta na musala oto salaka awa eloko ni to yelaka awa mais ndenge mama si koloba vraiment bana oyo biso to boti awa ndesi ko to komo mona ke ba komo intéressé
yakolanda banzela obiso zoko kende et puis yako yeko la monoko ya biso me monoko ya biso ba yebi mingi ezaka alingala ki Congo penza ezali na bango penza te ngana opesa exemple azaki na mama na ndako mama na zaki na ndako mama za ko bakaka mingi ki Congo. Alors, ce que maman le dit, moi qui Congo bana ba kimi mbango ba yeba yego mona bino. Mais grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit, grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, et comment qui si quoi, yobisom de comment qui entre na katikati ya grand-mère na bana. Grand-mère sera le bi, na gumba ki la maza, moi na yebi maza logo ni nite, moi na koyambango. Oh, grand-mère, elle a dit, na mbaka la maza. Ya le bi na ndenge na ye, yo expliquer, te maïwa nikolo ba maza, ça veut dire de l'eau. Au fur et à mesure, je ne sais pas si je suis un peu c'est la grand-mère, mais je vais comprendre que les grand-mères à Saint-Guibango, je vais apprécier. Je ne sais pas si je suis mais je comprendre tout ce que grand-mère a fait Saint-Guibango. Je ne sais pas si je suis un peu plus de côté de la 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 biso à part l'ingala, bana soit ici, nous sommes en train de faire ça à ma casse. Tout le monde a fait ça, mais ma bambo canabiso. Baka n'a pas découvert un beau canabiso. Ma camouille est un beau canabiso. Ne wana à temps wana. Maïe les banapoyana bango ya bon moto. Ceux qui ont comme ma bambo mine en boca, bako comme un peu dans la moyenne à mon moto, que basse bako comme un blanc intéressé dans ma coutume la biso. Si on a un goût de longue, 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 maman, moi, le loba, et c'est qu'on a un goût de longue, on a continué parce qu'on a un goût de longue, on a 3 jours. Le 27, le 28, le 29. On a un goût de longue, on a un modèle qui a un goût de longue, on a un goût de longue. On a un goût de longue. Merci, papa, merci, Mingi. Ngudi alongo azwa ki elonga ye moko abanayi kulobango na tango nyoso ya libonde ni na ye a basa banganga nzambe bamona kalikolote bakota kalikolote plutôt ngai pena mwilu na kolonga me mama mwilu lokola ezalaki elaka ya tata nzambe abotamaka na likambo wana ezali kambatia ki ete me abotamaka na yango asala ki pe nyonso ekokaki pote akoka kolonga yango wana mama na biso alongaki biso pe lokola bazo benga biso ba mama mwilu tosala pe ndakisa ya mama mwilu tolanda pe matambi na ye pote tokoka kolonga totika mabe surtout mabe surtout tiki mabe na biso bandeko tozala bango pembeni na misala ne wana tokolonga ndenge mama mwilu alongaki po mama mwilu azalaki mama ya kimia moto nyonso akokota na nkamba mama mwilu na nzungu na ya moke wana ifo atia biloko moto wana alia akosolola na moto nyonso azalaki mama modele donc yango na biso pe tozala bamama modele tolanda bitambi na ye ndenge tobengami na kombo ya mama mwilu ngai nakoloba likambo mosusu l'exhumation ya mama mwilu nazalaki nazalaka l'exhumation ya mama mwilu na tango wana tolamwaki na tongo na ba 4 heures du matin tolobito sala parade tozo sala parade tozaki ba mama mibale tozalaki ngai na mama mafuta mama mafuta e mama ya mama Françoise mama mafuta Jeanne biso mbaito ko sala parade tomonaki ba genou. Donc 50 ans après, oui. Ingeti. Ton mona qui mange, ton dima qui tire. Total à kakaboye. Biso ko saki batu so bazo mona. Eh, to ko boye ko tala. Bango bazo ko mona te to zo mona kaka biso mi bale. Bande ko musu so to ko benga bango bazo tamba mona ki te me biso nde ngai na mama Jeanne. Ton mona qui mange. N'exhumation ya mama mwilo. En 2009. Donc pour te dire que Bangelou Bazani. Ceux qui nous ont mis à l'ingi qui a fait un miss au monde, au monde, biso to mona ki bango.
médicimation. Mais tu as la guerre belle, hein? Et c'est quand tu as la guerre, tu m'as mon acte, mais plus ton mon acte. Pour te le dire, Wapina, la carte en match à manquer en banza. Et c'est la guerre à Katia Mbanza, et dans la temple, la première temple, on a tout aimé, la première temple, et permet la mausolée, tout le monde va gérer. D'accord. Maman, mamie, vraiment, merci beaucoup, Nengo. Vous avez vu que vous témoignage. Vous avez micro trottoir, maman, pour les lots, vous allez toujours continuer mon loulou et Angoudian Longo. Vous avez vu ce maman Rufawa. Maman, bonjour. Moi, je suis maman. Tout ça, c'est un micro trottoir pour que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez Eh maman, ce qui est à moi, le bagot, pèse à la moukrimba, alors il y a des gens qui sont là. Tu es maman. Moi, il Merci papa, nous maman, Mouilouaz, elle a une femme internationale. Donc, si maman Petro, on est là, maman Mouilouaz, elle a une femme. Elle a une femme, elle a une femme. Elle a une femme. Elle a une femme. Yo, comment est-ce que tu es là? Maman Ida Baeta. Maman Rouf, hein? Ida, maman Rouf. Ah, ok. Merci beaucoup. Tu es au Koba, tu es au Koba, tu es au Koba, tu es au Soda. Soda mon néné. Bo, tata si bo ki mbangu, à lobby, hein. Bah, ange l'on a yé baza yé nenge na nenge. Siko bango ba ba kenge laka. Ah oui, excusez-moi, maman. Donc, ici, voilà. Tenez le maman, 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 bonjour. Je vous vois ici, vous êtes bien orné d'une couronne. Mais cette couronne avec une étoile, qu'on a, une étoile à cinq branches, que nous appelons très gracieusement Kididi Kiki. C'est-à-dire Kisolo Kele, Dialungana, Diangenda, Kimongiawanga. Maman, bonjour. Vous vous présentez? Parce que nous poursuivons les. Nous voulons prendre des impressions par rapport aux festivités du 27 avril, qui est donc le départ de Maman Mouilou, notre modèle en ce qui concerne la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Que savez-vous de Maman Mouille par exemple? Dites-moi, qui est Maman Mouille pour vous? Bon, maman, elle n'est pas trop habituée. Vous savez, le soldat, comme dit mon collègue là-bas, mon confrère, papa Bérison, il dit que le soldat, c'est normal parce qu'elle, c'est la sécurité, elle est plus discrète. J'ai à côté de moi une enfant, chorale des enfants qui m'ont n'est-ce pas? Maman, bonjour, moi, t'es la bisson. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Maman, je suis un peu plus de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que le 27 avril 1959 à Tchikaki Bisso, tu as célébré 60 ans. Et puis tu as célébré notre petit témoignage il y a 10 ans, en 2009, à Mataki na Yelo Selemi. Tu as dit que tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies pour le sauvagien, tout ça l'effort est pour l'andaire zombie. Parce que ceux qui te l'ont dit à zombie, on va monter parce que la passe. On a dit qu'on va faire un travail. 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 Ceux qui ont dit qu'on va faire un Ok, merci maman pour na oyo yebisi biso tu sais kokuba kaka pambate to lobi ete ba mama banza ya mvimba lulanda ntambiza ngudi kalongo mama mwilu wa kwa musa kwa mitantu kansi. Nous avons ici une enfant qui mongisse. Bonjour maman, maman. Je viens, je vois. Vous êtes orné, paré de vert et blanc, qui est cette couleur d'espoir et de lumière. Maman, nous poursuivons ce dimanche les festivités marquant
la transfiguration de Ngudian Longo, Maman Marie Mouilou, qui a Wanganzitani, notre intercesseuse pour sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Est-ce que vous avez un mot à dire à propos de Maman Mouilou? La lourde charge de nous souffre les hommes de son mari. Alors, pour cela, au lieu de avril 1952, jour de sa disparition physique, jusqu'à ce hier, c'était le 27 avril 2019, nous avons fêté les 60 ans de sa disparition par rapport à la France. Nous nous sommes mobilisés, on pourrait dire qu'autrement, il y a eu un changement depuis le début jusqu'à nos jours pour voir ces œuvres dans le monde entier où les femmes sont devenues des personnalités au niveau politique et religieux. Voilà pour nous de pouvoir le dire au monde entier que nous sommes fiers d'être humanistes. D'être Kibongis, vous avez suivi les difficultés qu'elle a reconnues. Nous avons ici en Europe, en France précisément, les femmes, dès qu'il y a une difficulté dans la maison, ils lâchent l'homme, que font-ils des compréhensions? Oui, ça c'est la femme moderne, mais quand nous sommes venus en Europe, c'est pareil, le développement de la femme. Ici on parle de l'émancipation de la femme, mais nous on utilise peut-être le passage pour dire que dans l'Église, la femme est égale à l'homme, c'est-à-dire qu'on a connu des femmes, on a au sein de l'Église, des femmes pasteurs. Ça veut dire qu'elle exerce le même métier et les hommes, la mobilisation sur l'existence et la bonne nouvelle, comment nous devons être dans la vie, comment nous devons nous comporter, parce que nous avons fait, je ne sais pas le choix, mais nous avons été choisis dès notre venue au monde, avant même d'être. Les Écritures nous apprennent. Avant que vous soyez né, moi je vous connaissais déjà. Voilà pourquoi nous sommes là pour aider et comment dire, suivre l'œuvre de Maman Mouilou. Vous pouvez présenter Maman pour vous en dire. Je suis Maman Maxime Kounaev, Maurice, de la paroisse Saint-Jean dans Corito. Merci maman, nous poursuivons donc, il y a une maman qui me tourne le dos, maman bonjour, elle ne veut pas regarder, alors je compris que apparemment maman ne veut pas être perturbée, et puis en fait nous sommes arrivés aussi au lieu du culte, donc nous allons pouvoir descendre dans le transport. Je demande à l'assistance mes excuses si j'ai dérangé par rapport à mon petit exercice de communication que je suis en train de faire. Une fois de plus, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons rentrer dans le Saint-Temple de Tata Simon Kimbangu. Nous allons pouvoir le rendre gloire. Merci monsieur le chauffeur. Bonne soirée, bonne journée plutôt, excusez-moi. Le SAMU, Lungana SAMU Yami. Ok. Voilà mes amis. Donc nous étions les fidèles. Tout le piège. Même ma canela. Merci. Oh même. Non ça va. Alors si vous avez la langue de terre.
Voilà, c'était un média qui spécial. Mama Mouilou, c'est inhabituel, mais c'était exceptionnel parce que Ngoudia Longo est en train d'être glorifié là-bas, en Kamba. Et bien, nous, ces enfants, ici, en Occident, ne vont pas rester inertes. Une fois de plus, merci et je rentre dans le temple pour la suite de ce reportage. A très bientôt. J'ai qui ? Sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani, Mwandelu Diovela. A très bientôt. Au revoir.